Tu m'as vu comment tu transpires, toi, dans ce chiot-là? Comment t'es en train de transpirer? Comment t'es angoissé? Ça se voit ou pas? Tes yeux, ils sont en train de... Pourquoi? Tu vis la Torah. Tu vis la Torah. Tu vis pas la Torah, Azman Aser, Tzadeket. Mais je suis pas d'accord avec vous, Chas V'Chalila. Au contraire, c'est des kelim, c'est des forces. C'est pas une angoisse. C'est qu'il y a que celui qui prend conscience de sa maladie qui sait comment la guérir. Quelqu'un qui sait pas. Le monsieur, il est passé une radio, ils lui ont dit, monsieur, vous avez rien. Et l'autre, il dit, oh là là, quelle catastrophe. Je dis, pourquoi catastrophe? Il a dit, j'ai rien, alors de quoi je souffre? Stabarchevo, l'aneshama, elle est malade. L'aneshama, elle est malade. Et nous, notre Shulchan Aruch, chapitre 47, prenez-le. Comme ça, il écrit dans... C'est pas chaud. En simcha, en shum davar. Tu peux avoir les plus belles voitures, les plus belles maisons, tu peux avoir... Je sais pas, toutes les belles choses, quand même. Et ils sont là à se regarder comme ça. Et qu'est-ce qu'on mange? Quelle joie! J'ai pas besoin de toi. Allô, traiteur, une pizza. Ça va, c'est bon. Ça se mange pas une pizza, ça se mange. Avant le Icar, Ibdou, vous avez entendu, rappelez-vous. Ibdou est à Achayim Amitim. On ne serait pas venu pour ça, pour rien du tout. C'est bon. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez une question avec ce qu'on vient de dire ce soir? Yodit, non. Ah, t'as pris des forces ou pas? Oui, j'ai pris, mais c'est pas... Je t'écoute. On n'a pas besoin. Le problème, c'est qu'on va en prendre des forces, bien.